c'est Dora. Aujourd'hui, nous allons vivre ensemble l'aventure de la cité perdue. Alors en route! Hello, I'm Dora. Et lui, c'est Babouche. J'ai perdu mon ours en peluche. Il faut absolument retrouver mon teddy bear. Ma mamie et mon daddy m'ont offert mon teddy bear pour mon 4e anniversaire. Et depuis, toutes les nuits, je dors avec mon ours en peluche. Nous peignons un portrait de mon ours en peluche. Et comme ça, nous pourrons utiliser le portrait pour retrouver my teddy bear. Pour peindre le dessin, clique sur un pot de peinture numéroté, puis clique sur le même chiffre sur le dessin. Ça ressemble trait pour trait à mon teddy bear. Merci de m'avoir aidé à le peindre. Oh oh, j'ai l'impression d'avoir entendu Shipper le renard. Est-ce que tu vois Shipper, toi? Il est vraiment très rapide. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'apprête à shipper quelque chose. Il va peut-être bien essayer de nous shipper le portrait de teddy bear. Salut, Dora. Je n'ai pas l'intention de shipper. Je t'ai entendu dire que tu avais perdu ton ours en peluche. Est-ce que c'est le portrait de ton teddy bear? Oui, mais hélas, je ne trouve my teddy bear nulle part. Ce n'est pas moi qui l'ai shippé, et je ne crois pas non plus avoir vu d'ours en peluche dans les parages. Alors c'est que Teddy Bear est vraiment perdu. Eh bien, j'en suis désolé pour toi, Dora, et j'espère que tu retrouveras ton ours en peluche. Je sais ce que c'est que de perdre quelque chose. Je te remercie, Shipper. Il faut à tout prix que nous retrouvions Teddy Bear. Comment faire pour retrouver mon ours en peluche? Prenons le temps de réfléchir. Dis-moi, à qui fait-on appel lorsqu'on ne sait pas quel chemin il faut prendre? Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire. Je suis la carte. À la carte! Je sais comment faire pour retrouver ton ours en peluche. Pour le retrouver, il te faut aller à la cité perdue. Tu vas pouvoir trouver des tas de choses dans la cité perdue. Nous avons besoin de ton aide. Veux-tu demander à la carte quel est le chemin qui mène à la cité perdue? Alors il faut que tu cliques sur la carte. Allez, clique sur la carte. Clique sur la carte. Dora doit trouver le chemin de la cité perdue pour retrouver son ours en peluche. Pour aller à la cité perdue, il faut d'abord traverser la grande mare. Ensuite, il faut traverser la pyramide des chiffres. Et voilà comment on arrive à la cité perdue. Tu diras donc à Dora, mare, pyramide, cité perdue. S'il t'arrivait de perdre ton chemin, pas de panique, clique sur moi. Nous allons emporter ce coffre au trésor avec nous tout au long de notre aventure. Nous allons garder dans le coffre au trésor tous les dessins des trésors à retrouver dans la cité perdue. Allons rechercher mon ours en peluche. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Et Dora, quand nous serons dans la cité perdue, tu crois que je pourrais retrouver mon doudou Queener? J'ai fait aussi un portrait de Queener. Sois tranquille, Babouche. Nous allons le retrouver, ton Queener. Nous allons mettre son portrait dans le coffre au trésor. Tu as vu? C'est une étoile. Allez, vite, clique sur l'étoile. Nous pouvons trouver plus d'étoiles. More stars. Clique sur les étoiles. Où allons-nous ensuite? Maintenant, il nous faut aller jusqu'à la grande mare. Tu veux cliquer sur la grande mare si tu la vois? Super! Tu l'as trouvée! C'est bien la grande mare qui est là-bas. Bravo! Alors en route, allons retrouver mon ours en peluche. Allons-y, let's go!
Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Alors, mes petits gars, allez, tout le monde sur le pont. Hé, regarde, Dora, c'est le capitaine des cochons pirates. Peut-être que lui pourrait nous aider à traverser la grande mare. Excellente idée, Babouche. Posons-lui la question. Hello, capitaine cochon pirate. Ohé, Dora. Ohé, Babouche. Aujourd'hui, c'est un beau jour pour naviguer sur la grande mare. Oui, c'est bien vrai. Au fait, serais-tu d'accord pour nous aider à traverser la grande mare? Nous sommes en route pour la cité perdue afin de retrouver mon ours en peluche. Tonnerre de tonnerre! Comment? La cité perdue? Vous pensez pouvoir retrouver mon chapeau de pirate là-bas? Je l'ai perdu! Tiens, d'ailleurs, j'en ai fait un dessin. Bien sûr, nous allons mettre ton dessin dans le coffre au trésor. Je vais vous faire traverser la grande mare sur mon bateau pirate de mille tonnerres. Mais avant tout, il faut que j'aide tous mes cochons pirates à mettre les voiles. Nous allons t'aider, cochon pirate. Veux-tu nous aider à mettre les cochons pirates en ligne devant le bon bateau? Clique sur les cochons pirates pour les sélectionner. Ensuite, clique sur la rangée pour faire redescendre le cochon pirate. Assortis la couleur de leur gilet de sauvetage avec celle du bateau. Levez l'ancre. Aïe aïe aïe, cochon pirate. Yeah. 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 Beau travail, compagnon. Voici encore trois bateaux. Au travail, compagnon. Yeah. Yeah. Maintenant, nous allons pouvoir faire traverser la grande mare à mon bateau pirate pour que vous puissiez atteindre la cité perdue. Maintenant, nous allons mettre nos gilets de sauvetage pour plus de sécurité. Mettons les voiles, mes petits gars. Attention, levez l'ancre. Merci, capitaine cochon pirate. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Oh, mes bébés. Mes bébés. My babies, my babies. Mamie, bzz, bzz, mais que se passe-t-il? Dora, Babouche, voulez-vous m'aider? C'est l'heure de la sieste pour mes bébés, bzz, bzz. Mais sans leur couverture, ils ne resteront pas dans leur poussette. Voulez-vous m'aider à les mettre dans leur poussette pour que je puisse les emmener faire la sieste? Bien sûr, pas de problème. Nous allons t'aider, mamie. Veux-tu nous aider à remettre les bébés dans la poussette? Il faut que nous remettions les 10 bébés sur leur siège. C'est le bébé numéro 2. C'est le bébé numéro 2. C'est le bébé numéro 3. C'est le bébé numéro 4. C'est le bébé numéro 6. Bébé numéro 1. Et voilà les 10 bébés.
numéro 1. Je parie que ces bébés bzzz commencent à être fatigués. Oh oh. Allez les bébés, remettons encore les bébés bzzz sur leur siège. C'est le bébé numéro 1. C'est le bébé numéro 2. C'est le bébé numéro 1. C'est le bébé numéro 2. C'est le bébé numéro 7. Vos bébés sont prêts à rentrer faire un petit somme. Ten babies. Merci de ton aide. Cette fois, mamie Bzzz va pouvoir emmener ses bébés faire la sieste. Et nous, nous pouvons aller à la cité perdue pour retrouver mon ours en peluche. Comment? La cité perdue? Pourriez-vous chercher les couvertures de mes bébés dans la cité perdue? Ce sera beaucoup plus facile de les endormir lorsqu'ils auront retrouvé leur couverture. Tiens, Dora, c'est un dessin de leur couverture. Ça t'aidera à les reconnaître. Je vais le mettre dans le coffre au trésor pour qu'ils soient à l'abri en attendant que nous soyons arrivés à la cité perdue. Thank you, Dora. Thank you, Babouche. You're welcome, Mamie Bzzz. Maintenant, il nous faut aller à la pyramide des chiffres. Il faut que tu cliques sur la pyramide des chiffres. Super! Tu l'as trouvé? C'est bien la pyramide des chiffres. Let's go! Allons vite retrouver mon ours en peluche. Allons-y, let's go! C'est parti, les amis! Nous allons les trouver! Je sais qu'on peut y arriver! Dora, Babouche, wait! Hello, bonjour, Mr. Toucan. Dora, I've lost my glasses. Babouche, tu entends? Mr. Toucan a perdu ses lunettes, ce qui fait qu'il ne peut pas lire les chiffres pour traverser la pyramide. Nous pourrons peut-être retrouver ses lunettes quand nous serons à la cité perdue. Il nous faut un dessin de ses lunettes pour le coffre au trésor. En voilà une bonne idée. Mr. Toucan, we'll find your reading glasses quand nous serons à la cité perdue. But we need a picture of them. Of course. Take it, Dora. Bien, nous allons le mettre dans le coffre au trésor. Thank you, Dora. You're welcome, Mr. Toucan. Wow! Comment trouver notre chemin à l'intérieur de la pyramide, Dora? Cet écran va peut-être nous dire quelque chose. Endure mes épreuves si tu le supportes. Attrape les joyaux pour trouver la porte. Allez, avançons. Il te reste encore beaucoup de joyaux à attraper. Alors prépare-toi à en recevoir une nouvelle fournée. Babouche et Dora doivent faire en sorte de trouver plus de joyaux pour trouver la porte. Thank you.
Attention, il te reste encore beaucoup de joyaux à attraper. Alors prépare-toi à en recevoir une nouvelle fournée. Tu es au sommet. Attrape les joyaux. Ne t'arrête jamais. À traverser la grande mare ainsi que la pyramide des chiffres et nous voici arrivés devant la cité perdue. Nous allons dire tous ensemble open. Open. Encore une fois. Open. Lorsque tu vois un trésor perdu que nous recherchons, clique dessus avant qu'il ne disparaisse. Il nous faut retrouver Queener, le doudou de Babouche. C'est ma Queener. Il nous faut retrouver le hat de Chopérate. Retourne à leur propriétaire. Oh, Teddy Bear, je suis si heureuse que nous t'ayons retrouvé. Merci de ton aide. Nous avons retrouvé tous les trésors perdus. Oui, mais il reste quelque chose dans le coffre au trésor, Dora. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai l'impression que c'est un gant bleu. Tu as entendu quelque chose, toi aussi? Tu crois vraiment? Mais oui, c'est Shipper le renard.
Je suis heureux que tu aies retrouvé ton ours en peluche, Dora. Mais mon trésor à moi n'a pas été retrouvé. Nous allons pouvoir te rendre ton trésor, Shipper. Merci, Dora. Merci, Babouche. Cette fois, c'est sûr, tout le monde a récupéré son trésor. Hé, hey, tu as vu là-haut? Ce sont toutes les étoiles que nous avons trouvées. Là-haut, dans le ciel. Nous n'y serions jamais arrivés sans toi, tu sais? Ouais, Dora! C'est gagné!